Salut les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, moi c'est Anne. Et moi c'est Eric, et sur cette chaîne, on vous présente des idées d'escapades. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous fait découvrir un gîte et une rando à faire à Rougemont. Mais avant tout, une balade dans un verger fleuri. C'est parti! C'est parti! Les blancs sentent meilleurs. Ah ouais? Ouais. Là, on est bien. Juste une petite mention, c'est vraiment agréable de se promener dans un verger. Ouais. Mais là, au moment où on filme ça, puis que vous, vous allez regarder ça, il n'y aura plus de fleurs. Il n'y aura plus de fleurs dans les pommiers. Ouais. Mais ça ne fait rien, c'est agréable, on peut apporter un pique-nique. Puis dites-nous, vous, la région dans laquelle vous êtes, peut-être mentionner un verger dans lequel on peut se promener, tout en demandant la permission. C'est petit, mais il y a toutes les commodités. Je vous montre ça. Bon matin. Bon matin, les amis. On a reçu notre déjeuner. Eh oui, on voulait prendre ça sur le porche, mais il s'est mis à pleuvoir, alors on n'a pas le choix. Ben oui, fait qu'on est rentré à l'intérieur. Mm-hmm. Puis ça a l'air super délicieux avec un petit yogourt, des fruits et tout. Ça démarre bien la journée. Puis ensuite, ben on va retourner à la cidrerie Michel Jaudoin, où on était hier. On a fait un petit tour dans le verger, puis on s'est aperçu qu'il y avait des randonnées aussi. Oui, c'est ça. Puis annonce des éclaircies aujourd'hui, en tout cas, j'espère, avec la pluie. Ouais, hein? Ouais. Donc, on va prendre un bon déjeuner, puis après, randonnée en montagne! À tantôt! Hey, c'est vraiment cute! Ils ont mis des tables de pique-nique en chaque rangée de pommiers. Ouais. Donc, on peut venir faire un pique-nique sans venir faire la randonnée si on veut. Là, on arrive au sentier. Je ne sais pas combien de kilomètres. On va checker ça. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est juste 4 $ pour le sentier. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. On va voir si on va se rendre. Hey, il y a une vieille cabane à sucre là-bas, regarde. Ah ouais. Hey, ça, quand je faisais mes randonnées photos, là, c'est le genre de spot que les gens adorent. Ben, je suis agréablement surprise. C'est vraiment un beau sentier. Il y a des rochers, ça sillonne à travers la nature. Vraiment beau. Hey, c'est un gros rocher, ça? Wow! Wow, hein? Hey! C'est beau avec toutes les stries qu'il y a dedans. Ouais. Ah! On est arrivé! Hey, la vue est super belle! Ouais, hein? Ah ben c'est cool, on va aller regarder ça. C'est comment le nom? Curieux Nomade. Curieux Nomade. Allez vous abonner? Mais oui, on va s'abonner. T'as-tu un compte YouTube? Non, mais moi j'aime bien ça, découvrir plein d'affaires, fait que je suis bien curieuse.
Bonne activité. Bonne on va regarder bonne vos vidéos. Journée. Bye. Au revoir. En tout cas, les amis, la montagne était quelque chose. Et hey, moi, mon application me disait que j'avais monté 50 étages. Puis à un moment donné, là, j'étais plus capable. J'étais vraiment exténuée. Pensais-tu que c'était pour être aussi ardu? Non, honnêtement, je pensais pas. Mais au début, c'était tellement beau qu'on n'avait pas envie de revirer de bord. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à être assez... À grimper, grimper. Grimper, parce que je pense que c'est un sentier neuf, fait que c'était plus granuleux, plus sableux. Puis là, on s'est dit, ben écoute, ben on est quasiment rendu. C'est ça, on est quasiment rendu. Fait que c'est donné un petit coup, là. En tout cas, si vous êtes en forme, allez-y. Sinon, ben contentez-vous de regarder la vidéo. Puis si vous aimez ce genre d'escapade-là, cliquez sur la vidéo juste ici ou en description. Faire une petite escapade au mont Pinacle. Ouais. Là, n'oubliez pas, abonnez-vous puis cliquez le petit pouce bleu. Ça nous dit qu'on a fait une belle job. Oui, ça nous encourage. Puis partagez en grand nombre pour faire découvrir la belle région de Rougemont. Et sur ce, ciao! Salut!